Hey, re-salut à tous et bienvenue à toi, cher ami aventurier. Et si tu es un vagabond qui tombe ici par hasard, je t'invite à t'abonner pour suivre le reste de l'aventure avec nous. C'est gratuit et ça m'encourage beaucoup. Je suis Koum et voici la suite de Tropico 4. Je pense qu'on arrive quand même à une nouvelle étape ici dans notre super ville. J'ai fini de mettre des relais un petit peu partout. Comme vous pouvez voir, on a une très bonne superficie au niveau du service électrique. Par contre, je pense qu'on... Qu'est-ce qu'on a comme puissance électrique? Kilo mégawattage, on a 200. Et hey, ça suffit là. Inquiet quand il observe que tout Tropico réclame des élections mois après mois. Il est évident que vous devez nous diriger. Organiser des élections, c'est comme demander à des chiens s'ils aiment leur maître. Refuser quand que ma population est à 51% derrière moi, jamais d'avis. Donc ici, puissance totale, je sais pas qu'est-ce que ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça produit? Alimentation? Produit? Alimentation? Aucune idée. Ça non plus, je trouve ça plate qu'ils nous disent pas... Ok, consommation totale. Ça, c'est la puissance totale qu'on a de disponible. Et ça, ici, c'est celle qui est consommée. Donc, il faut avoir plus de puissance totale que de consommation totale. Comme ça, bon, on va avoir l'électricité un peu partout. Donc ici on a nos trois éoliennes qu'on avait mis dans le dernier épisode un petit peu à la fin. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici là? En tant que représentant des armées de Tropico, il affirme que certaines mesures doivent être prises pour préserver la paix de l'île. Je sais pas encore de devenir un espèce de dictateur super méchant là. C'est encore la même affaire ça? Oh non. Hello vieille branche. Je subis une dure pression au pays, n'est-il pas? Oh, vous savez ce que c'est. Ça, c'est un, un cher anglais d'Angleterre. Exporter 500, j'aurais luxe. J'en ai pas. Je peux pas faire ça, j'en ai pas. Bon. Tout va bien. Fait que c'est ça. Fait que le réseau est un petit peu partout. Et on va pouvoir commencer à installer des affaires électriques dans nos usines, et etc., etc. Donc ici, on a une mine d'or. Ici, une mine de fer. Donc, qu'est-ce qui augmente le fer? 30% de fer, 40% de fer. Fait qu'on va faire ça, 5000, c'est beaucoup, mais ça va augmenter la production de pas mal. Ça, ben c'est cool. Quantité de fer disponible, peut-être. Ouais, ben oui, envoyez donc, tiens, ça c'est fait. Ici, 20% or. Tiens, et voilà. Fait que ça, peut-être qu'on va la construire tout à l'heure, mais je suis pas trop sûr. Case naturelle, tout ça, calme-toi, vague. Sinon, dans les champs comme ça ici, on n'a rien d'électrique qu'on peut acheter ou etc. Sinon, ici, qu'est-ce qu'il y a? Interdire import? Non. Tout le bâtiment ici, il n'y a rien de nécessaire au niveau. Ah oui, aussi, j'ai renvoyé notre ministre des Affaires intérieures vu qu'il a été pris en flagrant délit de vol. Fait que, pour éviter que d'autres personnes... Wow, suivent l'exemple, le son il est vraiment... C'est pas un problème que j'ai moi avec mon son. Hein. C'est que je baisse le son des musiques, fait que là je le monte pour pouvoir entendre la musique, mais en mettant tous les autres sons, les effets sonores, les autres sons, dans le tapis. Fait qu'on pourrait mettre des aigles climatisés dans le quartier riche ici. Donc ça va peut-être forcer un peu le monde. Peut-être pas forcer, mais ça va augmenter un peu la qualité de vie. C'est la même chose. Que j'ai peint appartement. Que j'ai peint appartement, appartement. Tiens. Ceux qui payent pour. On doit avoir un meilleur logement. Quoi que les autres ici. Tiens. Oh. Tiens, on va augmenter ça ici, sauf qu'on va monter le logement. Non, on va laisser le logement comme ça. Tiens. Fait qu'ils vont avoir tous les deux une meilleure qualité de logement. Ça, c'est pas mal cool. Sinon, dans les petites cabanes ici, il n'y a rien. Bon, on va faire du logement, vu que le gars vient nous dire qu'il y a des cabanes un peu partout. Donc, il y en a ici, il y en a ici aussi. Bon. Aïe, il n'a pas... Non, ça, c'est moi que j'ai construit. Ok. Fiu, fiu, fiu. Ah, il est 50. C'est comme une cage à lapin avec... C'est une cage à lapin avec l'air climatisé, ça, 50. Bon, je pense qu'on va devoir faire une petite modification ici afin de mettre des super logements. Et voilà. Infrastructure, route. Il va y avoir des beaux logements qui vont s'en venir ici. C'est pas trop loin du garage. Fait comme ça, ils vont pouvoir aller
Ils vont pouvoir aller travailler où est-ce qu'ils veulent. Mais je vais pas détruire des cabanes par exemple dans le... Ah oui, ils vont juste déménager directement à l'intérieur là, fait que... Ça c'est bon. Puis, classique, Koum. Je vais me faire un super jardin aussi. Toujours très important de faire un jardin. Peut-être pas un jardin, mais aussi un jardin, pas des arbres plutôt. Peut-être comme ça. Hop, peut-être un autre de plus. Je peux voir qu'est-ce qu'on a disponible. Peut-être comme ça. Puis c'est ici. Tiens, ça va faire une espèce de mini rectangle un peu minable, mais ça va marcher comme ça. Puis avoir des petites cabanes, ça va être super cute. Fait que là-dedans, on va pouvoir inviter pas mal de familles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 familles de deux couples, en fait. 12 couples. Ça, c'est génial. Bon, encore une mission. Et ça enchaîne les missions, c'est absolument ridicule. Construire un Christ, le statut du Christ sauveur. Je pense... Aïe aïe. Le nombre de rebelles sur l'île grandit constamment. Nous devrions prendre les mesures adéquates. Pourquoi les gens sont pas heureux? C'est bien plate, ça. L'importance de la foi encore? Ok, j'en ai marre de l'importance de la foi, là. On va faire un énorme Christ sauveur dans le coin des éoliennes. Vous allez voir ça. Les éoliennes sont ici. Nous autres, on va le faire comme dans le coin ici, peut-être. C'est juste ici. Face à la mer. Puis... 37 000, ok, tu peux laisser tomber. La construction rapide. Sinon, attraction, peut-être pas. Tourisme, peut-être dans le coin ici. Non, non, non. C'est une question qu'on pourrait mettre pas trop loin de ça ici, qui pourrait être pas mal cool pour nos habitants. Divertissement. Ah, c'est ça que je cherchais. Fait que là, ici, c'est tous des trucs qui ont besoin d'électricité. Fait que maintenant qu'on a de l'électricité, on va pouvoir en mettre. Yay! Une boîte de nuit, ça rentre-tu à côté du Chris? Dis-moi que ça rentre à côté du Chris. Non, bon. On va regarder quelque chose d'autre peut-être. Théâtre au monde, c'est gros. Casino, je pense que c'est plus petit et non. Cinéma, tiens, ça c'est petit un cinéma. Yes, on a de la place ici. Je suis à côté du Chris. Non, on va mettre des parcs à côté du Chris, les autres on va le mettre à côté, tiens. Classic Park. Classic Park. Et voilà. Puis ça ici, il n'y a pas de place. Je suis pour un petit parc de rien du tout. Non, comme ça. Et je vais avoir mon parc. Personne enlève les parcs à Koum. Et voilà. Et voilà. Ouh, c'est serré sur un bout de ça dans ce coin-là. Bon, comme ça. Et juste en arrière, on va mettre tout plein de divertissements. Donc, il faudrait peut-être aussi les nouveaux hôpitaux et tout ça. Centre commercial, banque... oh oui, c'est l'hydrate ici. Drame, non, hôpital. On va aller voir juste la nouvelle électricité, comment qu'on se débrouille. Consommation totale, 30. Fait qu'il nous reste 170. Fait qu'on va être correct. Un hôpital va être construit dans le coin, mes amis. Si, non. Là, on a la clinique ici. Tiens, juste un... Aïe, aïe. Je savais que c'était la bonne dimension qu'on avait ici. Bon, mais ça, c'est cool, finalement, disons. Ça va être... Non, peut-être pas le plus important. Il va être pas mal important. Sinon, logement, on aurait de la place. Mettre... condominium. Ouais, ça pourrait être pas pire, ça. Et voilà, on est rendu dans le futur, mes amis. Deux condominiums, c'est quoi le look que ça peut avoir ça? J'aime bien celle-là et celle-là. Et voilà, fait que ça va être construit. Le loyer va être très cher parce que ça va être pas mal mieux que les autres. Fait que juste les familles très riches vont pouvoir aller là. Juste à côté de l'hôpital et de la clinique, garage aussi. Fait que là, j'imagine que le monde qui vont travailler là vont... ça va être du monde qui vont travailler dans le coin ici, là. Université et tout ça, là. Puis que les autres font des méchants salaires. Eh oui, je suis en train de le construire, ton Christ sauveur, là.
Ça c'est fait. Un autre bien-être qu'on pourrait mettre dans le coin ici. Centre commercial, on a déjà. Station météo. Peut-être pas. Une cathédrale, peut-être. Ah, c'est peut-être que ça puisse pas rentrer ici. Ça aurait fité juste parfaitement, disons. Ça coûte combien ou juste avant de... 16 000, tiens. On est full dépenses aujourd'hui. On ne compte pas. Nos citoyens ont besoin d'infrastructures pour être heureux et tout ça. Ils nous l'ont dit. Fait que, on va les écouter. Puis si on est en ruine, ça va être de leur faute. Ils nous rembourseront, disons. Peut-être comme ça. Peut-être mettre une petite route en avant. Ça pourrait être pour donner un beau petit look. Non, hein. Trop court. Pas grave, une fontaine de bord. Toujours un petit peu plus gros. Et voilà, yes. Alors ça, ça va être notre petit coin religieux. Sinon, je pense que tout est beau, clinique, oui, tout va bien. Médecine présentive. Je suis regardé peut-être... après une visite, le besoin est d'abaisser de 20%. Oh, pour augmenter le niveau de naissance. Peut-être que ça peut être intéressant, ça. 5 ans maximum. Non, peut-être pas. Éducation média. Ah, peut-être qu'on va mettre un truc dans le genre. Community science. Non. Journal, station de radio. Bon, ça, on va regarder ça plus tard. Sinon, au niveau du gouvernement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre de bon là-dedans? Ah, une caserne des pompiers, ça pourrait être cool, ça. La caserne de pompiers à côté de l'hôpital. Mais qui fait dos à la cathédrale. Comme ça, ben, on va avoir notre quartier ici. Qui sera pas dérangé ni par l'hôpital ni par l'autre truc. Puis ici on va mettre des divertissements. Fait que là on est rendu à 14 000. On va faire un petit peu attention. Mode de nuit. Tropique infortuné. Ouais, ça pourrait être cool ça. Non. Fait que ça c'est mon petit coin divertissement ici. Il y a un pub, un pub et un restaurant. Fait que c'est sûr que ça serait cool d'avoir avoir un truc un petit peu plus UP, comme une boîte de nuit avec un cinéma, tiens. Puis on verra pour les autres détails un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, je pense que ça va être correct. Fait qu'ils vont voir... Tiens, on pourrait mettre même un autre restaurant ici. Ou un pub. Le pub y rentre. Et si je mets... un restaurant, peut-être ça va être c'est plus petit ça. L'autre gourmet 4000, il nous reste 6000. Yes, ça rentre parfaitement. On va un petit coin là. Après ça, on va regarder les autres trucs en arrière. Bon, nouveau tourisme. Aïe, ça s'en vient bien notre quartier, c'est fou. Fait que ça risque d'augmenter tranquillement, je l'espère. Sérieusement. 22%, c'est minable. C'est des beaux petits logements, le monde sont bien contents. Ça c'est 1000 pièces chaque. C'est quoi des appartements? Ouais, faudrait que j'augmente. Faut que j'augmente les autres. Tiens, on va le faire ici. On n'est pas encore en dette, ça c'est bien. Sinon ici, touristes qui s'en viennent. Oh, regardez, il y a des tortues. Wouah, des tortues! Attention, tortue, tu vas te faire écraser. Non! Aïe, j'espère qu'il y a des freins, lui. Ouh, ça roule ici. Wow. Ça, c'est notre petit quartier touristique. Ouais, c'est assez ordinaire. Niveau tourisme, à part ça ici, notre piscine, il n'y a pas grand-chose. Ah, c'est ridicule, mon parc, comment il est là, que ça. Je sais pas pourquoi j'ai bourré ça de parc de même. Oh, on a fini notre Cristo Redentor. Fait que, satisfaction générale, 22 encore. C'est pas supposé augmenter ça. Si notre parc est pas pire, mais en arrière ici, là, c'est ridicule. Il va falloir faire de quoi pour ça. Peut-être mettre des bungalows aussi ce côté-là. Ouais, on pourrait faire ça. Je vais regarder tourisme bungalow. C'est 1200. Ouais, on va attendre d'avoir une prochaine rentrée d'argent. Ça, on va faire ça. Sinon ici, juste 34. Ok. Ah, ici, c'est vrai, on n'a pas fait ça ici. L'affaire, je pense que c'est lui, hein. Bon, ça coûte un petit peu cher, mais on peut être dans le rouge un petit peu pour l'instant. Il n'y a pas de problème.
Fait que ça, c'est fait. Yes, yes, yes. Oh mon dieu, des Nicki Minaj qui travaillent... Nicki Minaj qui travaille à l'enclave ethnique. Super bass. Boum, 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 yeah. On les voit ici. Ah, lui, il a besoin de... Ouais, je pense qu'il a besoin de quelque chose, lui. Logement. Oh boy. Où est-ce que tu couches? Dis-moi où que tu couches. Éducation, blablabla. Aucun repos, bon. Qu'une fois, ouais, ouais, ouais. Trop travailler en monotone. Blech. Oh. Bon, notre dette, moi. C'est sûr que ça, il y a cet effet-là. Si on a une dette à la fin du mois, ça fait ça, là. Ça fait que ça détériore nos relations avec d'autres pays, vu qu'eux autres, ils sont comme un petit peu obligés de nous aider financièrement. Là. Mais regardez ça, le Christ Rédempteur. Ça vaut la peine, pareil, d'avoir mis 50 000 piastres là-dedans. Oh, yeah, on a eu notre aide financière. Parce que j'ai hâte que cet hôpital-là soit fait. Pour qu'on ait un meilleur aperçu du quartier qu'on va voir ici. Puis en plus, ça va engager des gens d'université. Fait qu'ils seront plus obligés de travailler de travailler comme professeur. C'est bien, ça. Ouais, oui, ils vont s'en venir, là. Yes. Oh boy. Presidente, les tropiciens attendent les élections de l'année prochaine. Oh, oh, déjà les élections. Tout leur amour, tout leur respect. Leurs mots sont peut-être différents, mais c'est l'idée. Oui. Je pense qu'on est prêt. Tiens, avec un discours. Bon, sujet brûlant. Religion, vraiment. C'est dans le rouge, ça. Félicité. Communiste, tiens. Ok, on voit le respect ici. Là. 90. 100. Les intellectuels. Oui, ça, je veux ça. Religion intellectuelle, c'est sûr que c'est pas génial, là. Quoique j'ai rien contre la religion, je dis pas ça contre les religieux sont des niaiseux. Promesse pour le prochain mandat. Cathédrale construite, mais ça s'en vient. Tiens, logement adéquat. Il y a pas mal de monde qui était pas content du logement à cause de la quantité de cabanes qui est encore partout, là. Les petites cages à lapins, ils s'en viennent, là. Tranquillement. Tu sais pourquoi il y a personne qui habite ici? C'est gratuit, genre... Il y a même l'air climatisé. Les gens font la queue devant les confessionnals. Personne ne peut les dire. Oh. Néanmoins, les raisons sont évidentes. Les solutions viendront lorsque les capitalistes cesseront de nous handicaper. Oups, ça n'a pas été populaire, ça, par exemple. Depuis que je suis président, j'ai bénéficié de votre gratitude, mes chers compagnons. Je ne suis hélas que votre humble serviteur, et vous êtes mes maîtres, mes employeurs. Je présente donc mes plus sincères remerciements aux intellectuels, dont le génie anime notre futur. Ouais, 100 votes contre... 104 votes contre 75... 114 votes contre 5... 117 votes contre 55, c'est bon. Je vous promets que durant mon prochain mandat, plus personne ne vivra dans la pauvreté. Yay! Je pense qu'on a eu des bons votes là-dessus. Nous aurons le dernier mot. Ouais, c'est ordinaire, c'est. Je pense que là, le discours est fini. Et oui. Bon, puis nous autres, on vient de se faire encore pas mal de cash. Notre super quartier s'en vient. On commence à avoir des logements assez huppés, là. Ça, c'est génial. Ah, il est en train de construire. On va pouvoir voir le look que ça a, là. On va regarder ça. Après ça, on va se quitter. Donc, aujourd'hui, on a construit pas mal tout ça ici. Je pense qu'on a gagné des votes, là. Religieux, ouais. 23% encore. Ça va augmenter, là, je pense. Avec la cathédrale, puis tout qu'on est en train de construire, là. Ça devient un peu cher, ouais. Allez, construis-la, nous autres, faut qu'on se quitte. Oh, il a faim. Moi aussi, j'ai faim, disons. Pas disons, mais...
Vraiment, j'ai faim en ce moment. Je pense que j'allais me chercher un bol de Corn Pops ou autre céréales disponible. Maintenant, ça me des... Ah. Aïe, c'est une route... à part la petite cabane minable ici, là, du bidonville, là. C'est une route assez chic, ça, ici. Puis ça va l'être de l'autre côté aussi, avec le même bâtiment, puis... Oh, l'hôpital, on l'a eu. Yes. Bourré, enfin, finalement, bourré de docteurs à une université. Ah, il y a de la visite là-dedans. Oh boy, ça par exemple, je pense pas que ce soit vraiment une bonne nouvelle, mais au moins il y a un endroit pour aller se faire soigner. Donc on va finir sur cette super note positive que les gens ont accès à un système de santé qui a de l'allure, j'imagine. Ça doit être un bel hôpital. Pour se dire au revoir, alors merci tout le monde d'être passé. J'espère que vous avez apprécié votre petit passage ici. En tout cas, moi j'ai bien aimé vous voir ici. Et surtout, j'aimerais aussi tous vous voir... dans la prochaine vidéo, enfin je l'espère. Alors merci encore tout le monde, à la prochaine et ciao les amis. Vous allez le payer comme tous les autres. Partez ou mourrez.